À peine le soleil levé, les deux hommes sont déjà en route. Ils commencent une ascension de 2 heures sur les traces que le glacier a laissées dans le paysage. Ici, au 19e siècle, tout le secteur était occupé par la glace. En fait, on arrive là sur ce qu'on appelle la moraine historique du glacier, c'est-à-dire la position la plus basse que le glacier des sources de l'Isère a atteint environ 150 ans auparavant. Là, le glacier que l'on ne voit même pas encore, eh bien, celui-ci recouvrait tout l'espace. Alors, les glaciers charrient des blocs en permanence. Et puis, lorsque le glacier commence à se retirer, eh bien, ces blocs sont laissés tels quels. Donc, finalement, les cailloux qu'on touche ici, c'est principalement du schiste lustré. Ils ne se sont pas déposés ici, tout simplement. Ils proviennent du haut, ils proviennent, pourquoi pas, de la Grande Aiguille Rousse. Ils ont été charriés sur quelques kilomètres de distance. Hugo et Laurent cheminent dans un chaos de blocs. Depuis le retrait du glacier, la végétation s'est réinstallée. À 2400 mètres d'altitude, certaines plantes réussissent à s'adapter. Alors là, c'est original, hein. C'est une espèce végétale vraiment spécifique de l'altitude. Hein. Ici, c'est un arbre. Donc il faut imaginer que les conditions climatiques, ici, justement, l'empêchent de pouvoir se développer à la verticale. Entre le poids de la neige, le vent, et donc il va tapir le rocher. Il y a moins de contraintes quand il reste rampant au niveau du sol. Au fil de l'ascension, le paysage change. C'est vrai que là, on rentre vraiment dans le minéral. Ça contraste par rapport au vallon lui-même, qui est verdoyant. Alors que là, c'est le domaine des bouquetins maintenant, ici. Ah oui, oui, on en voit plusieurs, là, effectivement. Ouais. Ouais. À flanc de paroi, une femelle guide son jeune cabri. Les bouquetins vivent dans le parc de la Vanoise. C'est la plus grande population en France. L'ascension se poursuit. Les deux hommes approchent du but. Ben voilà, on est arrivé au pied du glacier. Voilà les premières gouttes de l'Isère. On peut pratiquement compter les gouttes d'eau, hein, depuis sa naissance.